Bonjour et bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous prépare une entrée avec des bruschetta, poivrons, mozzarella et tomates. Je détaille ma mozzarella en tranches, en quartiers. Grossièrement, et je viens les placer dans un saladier. J'y ajoute les olives. J'arrose d'un filet d'huile d'olive et je parsème de sel aromatisé au citron de menton. Je mélange le tout. Je filme et je place au réfrigérateur pendant une trentaine de minutes. J'émince mon oignon et je viens le placer dans une sauteuse avec un peu d'huile d'olive. Pendant que je fais revenir mon oignon dans un peu d'huile d'olive, je détaille mes poivrons en petits cubes. Je râpe mon ail à la microplane et je l'ajoute à mon oignon. Je fais revenir quelques minutes. J'ajoute les cubes de poivron à mes oignons et à mon ail. Je détaille ma tomate en cubes. J'ajoute la tomate à mes poivrons, toutes mes herbes, le romarin, l'estragon, bien sûr les herbes fraîches parfumeront bien plus. Je mouille avec le vin blanc. J'assaisonne avec du piment d'Espelette et je laisse mijoter 20 minutes. Maintenant, je mixe ces poivrons. Je détaille mes tomates cerises en deux. Et je viens toaster mes tranches de pain de campagne. Une fois mon pain toasté, je répartis la crème de poivron sur le dessus. La mozzarella avec les olives. Mes demi-tomates. La recette est terminée. Une entrée très fraîche, très légère, qu'on peut décliner aussi en petit format pour des toasts à l'apéritif. C'est à vous de voir. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Palais des Saveurs. Au revoir.